Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salut les amis. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et notre blog www.familiebetoul.com. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour avoir toutes les nouvelles de la famille Betoul. On est un peu crevé, alors on vient de passer la journée à la plage. Ouais, je suis désolée. Ah, ça a du mal à articuler là. Bon, en tous les cas, donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous retrouve tout de suite après le générique où nous allons parler des 7 bonnes raisons de ne pas venir à l'île Maurice, ou tout du moins, les 7 choses qui nous ont fait qu'on n'a pas décidé de, on a décidé, pardon, de ne pas rester ici. C'est parti. Alors, juste une chose, les 7 points que nous allons aborder, c'est notre point de vue à nous. Notre ressenti sur un an. Voilà, c'est par rapport à notre expérience, donc en aucun cas, il y en a beaucoup qui n'auront pas le même point de vue que nous. Ça permet en fin de compte d'avoir tous les points de vue. Elle est gentille, elle fait attention à la susceptibilité occidentale des gens qui sont venus ici. Oui, alors plusieurs choses, donc il y a ça. Oui, nous sommes conscients qu'en France aussi, on pourrait trouver les 7 points pour ne pas aller en France. On en trouverait même beaucoup plus. Ouais. Surtout en ce moment. Voilà. Et une dernière chose. C'est pour ça qu'on a bougé d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a bougé. Une dernière chose, c'est des points aussi dont on a beaucoup discuté avec des Mauriciens. Encore aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas des choses dites comme ça par méchanceté ou quoi que ce soit. Oui, je fais attention à la susceptibilité, mais je trouve ça hyper important. Il faut le dire, c'est tout. Voilà, c'est juste des choses que nous, on a besoin de dire et que les gens sachent pourquoi on veut partir. Alors, premièrement, alors, vous allez voir que tout ça, dès que je peux, je vais l'agrémenter avec des vidéos que j'aurai tournées. Premièrement, les prestations publiques désastreuses. Oui, alors... On commence par lequel? On en a mis deux. On en a mis deux. Je regarde parce qu'en fait, je pensais à un autre truc et je ne sais plus si c'est ailleurs ou pas. Mais non, il y en a un qui n'est pas noté. Mais c'est un exemple. Lequel donc, Marina Sudre-Betoul? Enfin, je crois qu'il n'est pas noté. C'est un exemple d'aujourd'hui. Là, on rentre donc d'une journée à la plage. C'était notre pot de départ. Je suis dans le flou là. Tu fais monter la pression là. C'est notre pot de départ et on rentre. C'est ça. On rentre vers 17h et la seule chose à laquelle on rêve, c'est de se dire on rentre chez nous. Et on va se baigner dans notre piscine, se fait l'apéro piscine. Et en fait, alors c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de prendre des images, mais la piscine est verte. On a souvent eu la piscine verte, mais ça c'est dû au climat, hein. Très souvent. On a un climat qui est lourd, très humide. Mais bon, je ne comprends pas pourquoi l'entretien n'est pas fait régulièrement. En fait, il y a quand même des personnes qui sont censées venir. C'est des choses qui me dépassent. Mais bon, bref, les prestations publiques. Allez. On va commencer par la première, les poubelles. Soyons fous. Allez. Alors, je vous mets tout de suite une vidéo, on en discute après. Ça fait 2 semaines qu'ils ne sont pas passés. Là, ça s'accumule ici, mais bon, encore, c'est pas très grave, c'est du plastique. Mais on a également, du coup, l'obligation de cumuler nos poubelles à la maison. On pourrait se dire, pourquoi Julien, tu les fous pas dehors? Parce qu'à ce moment-là, tant pis pour eux, ils passent quand ils passent. Mais il y a des chiens errants, voilà. Donc du coup, on est obligé de tout garder à la maison. Donc, bien évidemment, c'est le pays ou jamais où il faut qu'il y ait des dysfonctionnements comme ça, parce que bien sûr, avec la chaleur qu'il y a, on se tape tous les asticots, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Donc, comme vous avez vu, les poubelles, donc ce sont souvent des fonctionnaires qui sont pris là-dedans, hein, fonction publique, fonctionnaire. Et le souci qu'il y a, c'est que ils ne passent pas régulièrement. On est quand même dans un pays chaud où dès que vous avez des déchets de nourriture, ça se transforme en quelques heures en asticots. Déjà qu'en France, ils passent une à deux fois par semaine. Imaginez dans un pays comme le nôtre, ici, combien de fois il faudrait passer? Disons que l'été, je pense qu'il devrait passer 3 fois. Alors, si déjà il passait 2 fois, en plus Mais la taille des asticots, vous auriez vu les bastos aujourd'hui, c'est un truc. Logiquement, ils passent tous les mercredis.
Ensuite, ils sont passés tous les jeudis. Mais des fois, quand il y a jour férié, bah, ils ne passent pas le mercredi ni le jeudi. Là, aujourd'hui, ils sont passés le mardi. Bon, voilà, il y a un petit côté fun, mystère. Non, lundi. Ils n'étaient pas passés depuis deux semaines. Ouais, ça faisait deux semaines. Je ne vous dis pas l'odeur. On sort des fêtes. Hein. Voilà. Donc, l'odeur dans le garage, je ne sais même pas. En plus, il faut savoir que le premier n'est pas, le 31, le premier, c'était juste dimanche, lundi. Donc, ce n'était pas du tout un de leurs jours de circuit. Ouais. Enfin, en tout cas, par chez nous. Et du coup, donc voilà, donc ça c'est vraiment pesant. C'est ça, et en plus, il faut quand même savoir qu'ici il y a beaucoup de chiens. Alors je sais pas, je pense pas qu'on les donc fait. on peut pas laisser dehors en fait, non. Parce que sinon les chiens vont les bouffer, ils vont en foutre partout. Ou les chats d'ailleurs. Certains le font, ils en ont rien à foutre, mais nous on essaye quand même de pas polluer plus que ça ne l'est déjà. Mais ça, bon, c'est mondial. Hein. Mais du coup, on est obligé de stocker chez nous, donc vous imaginez. À quoi on a droit. Et on ne peut même pas laisser à la limite à l'extérieur chez nous, parce que comme il y a des chats errants comme partout, et ben les chats viennent tout bouffer. Voilà, donc c'est le truc sympathique. Deuxième chose qu'on a kiffé, je vous montre la vidéo tout de suite. Alors voilà comment on fait pour ici avoir de l'eau à Maurice. Nous sommes arrivés ici le 1er mars 2023. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre 2023. Le problème n'est toujours pas réglé. Donc en fait, on a le tuyau ici, que l'on va brancher là-bas. Donc, on se branche dans la rue, évidemment. Et voilà où est-ce que ça nous amène de l'eau. Donc on a l'eau qui arrive ici au tank et qui va venir également remplir ce tank ici. Voilà, ça fait 9 mois que ça dure, ça choque personne. Comme vous avez vu, l'eau, voilà, ça fait un an qu'on n'a pas d'eau. Donc là, la vidéo s'arrête au 23 décembre. Je l'avais faite, on devait avoir la venue de la Société des Eaux juste après Noël. Nous sommes le 8 janvier. On vous l'a fait en avance parce qu'on est en train de préparer notre départ et on n'a toujours rien. Voilà, donc tous les jours, je suis obligé de me connecter à l'extérieur pour avoir de l'eau. Alors, c'est honteux. Tout le monde est d'accord, les Mauriciens viennent nous voir en disant « c'est pas normal, machin ». Quoi ? Mais vous n'avez pas d'eau depuis un an ? Mais comment ça se fait ? Tout le monde s'en tape complètement. Donc voilà, donc ça fait partie des choses. Et lorsque nous avons discuté avec d'autres personnes expatriées ici, je crois que tous ont connu des problèmes d'eau. Oui. Alors qu'ils ne duraient pas. Il y en a, c'était 2-3 mois déjà. Ouais, c'est ça. C'est mais clairement, ils nous ont dit oui, on est d'accord avec vous, ils n'en ont strictement rien à foutre. Et deuxième point, les Mauriciens sont seuls au monde. Exactement. Alors ça pète bien, ça picote un peu, mais c'est vrai. Je vous donne un exemple très concret, je vous montre la vidéo tout de suite. Alors, autre petite spécialité aussi qui est un peu prenante. C'est que bah là, vous voyez, on n'a plus d'électricité. Bon, bah ça, à la limite, on est habitué. Mais voilà ce qu'on entend. Voilà, comme tout le monde est les uns sur les autres, eh ben, on a le générateur d'électricité qui se met en route à côté. Donc, non seulement tu n'as pas d'électricité, mais en plus, tu as le bordel du générateur. Voilà, donc un exemple parfait, vous entendez derrière moi. Ça fait une demi-heure que ça dure. Et personne ne dit rien. Voilà. Le respect du voisinage. Comme vous avez entendu, bah, les chiens aboient, les gens sont à côté, mais tout le monde s'en tape. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire que peut-être on fait chier le voisin. Non. On n'en a rien à foutre. Donc, qu'un chien aboie, nous, on n'a rien contre. Je veux dire, c'est un chien ça aboie. Mais
il faut lui dire de se taire, en fait. C'est principe de base. Et quand ça arrive à 3h du matin, alors moi, j'ai le sommeil lourd, personnellement, ça a été, mais enfin, ça m'est déjà arrivé à 5h du matin déjà, ouais. Que ça me réveille, mais ça a pété un plomb. Mais et vraiment. Tout le monde s'en fout. C'est ça qui est le plus dur, voilà. En fait. C'est pas qu'un chien aboie, c'est que tout le monde s'en fout, quoi. Et bon, vous connaissez l'adage, hein. Regarde comment un peuple éduque ses chiens, tu comprendras comment il est éduqué. Bah voilà, on y est. Et un deuxième exemple, ouais. Par exemple, la tonte. Je fais bien, non? Le pute. Ouais, c'est compliqué. Hein. Je suis fatiguée. Oui, la tonte. Eh bien, ici, dimanche, pas dimanche, 6h le matin, ouais. Eh, soyons fous, on va tondre. Le 25 décembre au matin, hein, les filles déballaient les cadeaux à 8h parce qu'elles s'étaient levées tôt et excitées par le Père Noël. Eh bien, ça tondait devant chez nous. Donc voilà, pour alimenter encore, on est en train d'ouvrir le cadeau de Noël. Qu'est-ce qu'on entend dehors? Quelqu'un qui débroussaille. Voilà. Il n'y a pas d'heure. Voilà. Bon. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir pour venir. Nous, ce n'est pas possible. Mais après, ceux qui le tolèrent, aucun problème, vous serez prévenus. Troisième point. Celui-là, il va nous plaire. Ça nous fait rire, mais en fait, tous, parce que en fait, chaque point fait qu'on part d'ici, en fait. Vas-y. Le non-respect de la distance personnelle, individuelle. C'est-à-dire que. La distanciation sociale. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont dû être trop contrariés par le Covid avec cette histoire de distanciation. Aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est-à-dire que, sincèrement, j'ai fait des boîtes de nuit à Paris. Des boîtes de nuit même chaudes, nierons-nous. Jamais je me suis fait autant renifler un endroit dont vous pensez bien. Ils nous montent dessus. Ah, mais ils nous montent dessus. En caisse. C'est un viol à chaque fois. Hein. En caisse. C'est qu'un exemple, la caisse. Oui. Hein. Oui, alors bien sûr, ça va être qu'un exemple. Parce que, mais en caisse, vous n'imaginez pas, mais on nous monte dessus, on nous marche dessus. Mmh. Mais vous n'avez pas idée. C'est à péter un plomb. Bah, et c'est qu'un exemple, en faisant une file, l'autre jour, la dernière fois, c'était pour acheter une pâtisserie, je fais la file. Je vous jure que moi, je n'ai pas bougé d'un poil. Et ben, entre la caisse et moi, il y avait 4 personnes. Elles sont toutes passées. Moi, je n'avais pas bougé pour avoir un minimum de distanciation. Mais c'est au quotidien. C'est terrible. Nous, terrible. On a un peu de mal avec ça. Alors, on n'est pas. Je rigolais avec la distanciation sociale, donc par rapport au confinement, tout ça. Mais en fait, ça, je m'en fous. C'est juste. Une distance normale, de respect, en fait, tout simplement, de respect. Ils sont plus proches du terminal carte bleue que vous. Voilà, c'est terrible, hein, c'est terrible, mais c'est comme ça. Allez, on va faire le quatrième. Le quatrième. Ouh. Aussi, bien lourd celui-là. Alors là. La conduite. Pourtant, on vient d'Amérique latine. Voilà. Enfin, centrale. Alors, en Amérique latine, si vous regardez nos vidéos, on avait tendance à dire que le conducteur d'Amérique latine est suicidaire. Le conducteur de l'île Maurice est un meurtrier. C'est-à-dire que chaque occasion de prendre la route, c'est une bonne occasion de tuer quelqu'un. Alors, certains nous ont dit « Ah, mais c'est peut-être du racisme ou autre. » Sincèrement, on ne l'a pas senti ici, racisme particulier. Même si il y a encore des conflits, ils n'ont pas fait le deuil de leur passé. Non, mais ça les regarde et c'est pour ça qu'on s'en va aussi parce qu'on n'a pas envie de se faire chier avec ça. Ouais, mais là, c'est mais vraiment… Là, ça n'a rien à voir. Ils ne nous voient pas forcément d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vous regardent pas. C'est-à-dire que vous allez doubler une voiture… Ils vont en face accélérer, quitte à vous foutre en l'air, ils en ont rien à foutre. Et je vous jure que c'est vrai. Et combien de fois j'ai failli me retrouver, je me suis pris un trottoir ou j'ai failli me retrouver accroché. Non, c'est très dangereux. C'est la première fois que j'ai peur quand Marina prend le volant toute seule ici. Pourtant, on a fait le Mexique, on a fait le Nicaragua. Eh ben non. Bon, Nicaragua, j'avais pas envie de conduire. Ouais, mais t'as mais été obligé. Ouais, franchement, j'avais beaucoup moins peur qu'ici. Et en fait, on nous a dit clairement, et des Mauriciens nous ont dit ça, c'est-à-dire qu'eux, ils pensent la même chose que nous. Alors, par rapport au bus, c'est-à-dire que là, il y a le grand bus, il y a les collectivos. Alors, je ne sais pas comment ils appellent ça ici. C'est le même principe qu'ailleurs. Hein, c'est-à-dire voilà, que c'est danger de mort entre les bus, les taxis. C'est ça. Mais c'est surtout que les bus et les minibus se prennent pour les rois du monde. C'est quand même des termes de Mauriciens qui nous ont dit ça. Parce que bon, on en parle pas mal avec eux. Et en fait, ils se prennent pour les rois du monde. Ils sont seuls. Et vraiment, je crois que vous n'imaginez pas, c'est-à-dire qu'ils ne ralentissent pas. On parle de bus. On parle de bus. Alors, les minibus, c'est vrai que c'est plus facile à manœuvrer. Mais ils sont. En fait, le minibus, si vous voulez, ils sont comme les taxis. C'est-à-dire qu'en fait, ils circulent. Et puis, dès qu'ils voient quelqu'un qui marche, moi, une fois, il y a un taxi qui s'est arrêté. Alors, je suis en train de faire mon sport quand même. Enfin, je ne sais pas. On voyait bien que je suis en train de faire mon sport. Et donc, c'est-à-dire que donc, le minibus ou le taxi, il roule. Il s'arrête. Vous voulez monter? Non, il redémarre.
Mais vous, vous êtes derrière. Mais ils ne regardent pas derrière. Hein. Et ils ne regardent pas si tu doubles ou pas. Hein. Voilà. Donc, et c'est arrivé plusieurs fois où on veut doubler. Eh bien, forcément, il redémarre. C'est nous, on est derrière. Dangereux. Hyper dangereux aussi. Et les grands bus. Donc, vous imaginez bien la taille des grands bus. Hein, ce sont tous les mêmes hein, dans le monde entier. Ils foncent comme des malades. Ce sont les rois du monde. Et donc, combien de fois c'est passé à frôler la voiture? Mais vraiment. Donc ça, c'est juste pas possible. Et nous, on nous a déjà demandé pourquoi on prenait pas. Excuse-moi. On nous a déjà demandé pourquoi on prenait pas les transports en commun. Mais parce qu'on tient à notre vie. Mais vraiment, on tient à notre vie. Et puis, il y a aussi, ils sont encore pires même avec les femmes. Hein. Ils ont un gros souci avec leur bite. Hein. Je suis désolé de le dire, mais dès que c'est une nana qui est au volant, c'est encore pire. Ils ont vraiment un problème de masculinité quelque part à vouloir s'affirmer comme ça sur la route et à mettre tout le monde en danger. Mmh. Moi, je ne passerai pas là-dessus, c'est intolérable et il est hors de question qu'on mette mes gamines en danger. On a quitté la France pour ne pas mettre nos enfants en danger, ce n'est pas pour le faire ici sur la route. Alors, je vous rassure, en Asie, on va nous dire non, ce n'est pas mieux, mais on ne conduira pas en Asie. On ne conduira pas, oui, comme ça. Ce sera plus simple, on ne prendra pas le risque et puis c'est surtout qu'au-delà de ça, c'est à péter un plomb et pour le stress, pour tout, enfin voilà. C'est intolérable. C'est intolérable. Donc la conduite, non, c'est trop pour nous. Je ne pensais pas à ce point-là. Et sincèrement, non. Là, c'est trop pour nous. On en est où? Cinquième point, oui. Alors, on vous parlait sur la vidéo précédente des 7 bonnes choses qu'on a trouvées à l'île Maurice, à savoir l'accueil. Et ce qui est vrai, l'accueil, c'est-à-dire que quand les Mauriciens sont, dans la vie de tous les jours, ils sont adorables. Par contre, au travail, ils sont juste infects. C'est-à-dire que si vous avez le droit à un bonjour, faites une prière le soir, jouez au loto parce qu'il y a un truc à fêter. Alors, on parle de tout ce qui est travail alimentaire, soyons clairs. Oui, bien sûr. Si vous allez, dans un restaurant et on voit les Mauriciens qui sont heureux de faire leur travail, de toute façon, on le voit direct. Oui, ça se voit ils tout vont de être, suite. À, franchement, ils sont adorables. De toute façon, ils restent parce qu'il y a des restos voilà. Où on voyait l'équipe changer sans arrêt. Voilà. Et des restos où les gens restaient. Donc Non, on voit on voit tout de suite s'ils sont heureux ou pas au travail. Mais enfin, sincèrement, je vais vous dire, des boulots de merde, je pense que tous, grande majorité, on est passé. Alors moi, je vais prendre mon exemple personnel. J'ai fait de la caisse et j'ai travaillé dans des usines à ramasser la merde des autres. J'ai fait des ménages. Donc croyez-moi, ça n'a jamais été mon objectif de vie. Je l'ai fait. J'ai toujours été souriante. Et polie, enfin respectueuse, voilà, j'allais au boulot et il y a eu des fois où j'avais un salaire de merde, quand j'étais au Nicaragua j'avais un salaire de merde pour 40 heures de boulot, mais j'y allais, j'avais le sourire, voilà, et je faisais mon travail, parce que de toute c'est façon, c'est la vie, c'est comme ça, hein. C'est comme ça et c'est pour tout faut le monde, faut grandir, hein. Voilà. Faut mûrir, c'est comme ça. Donc cette excuse-là, elle a un peu de mal à passer, et un exemple encore, histoire de vraiment, que vous compreniez bien ce qu'on veut dire. On n'est pas assez exemple, à charge encore, alors vas-y. Non, mais par exemple, l'exemple de la caisse, parce que c'est vrai que je crois que le pire, c'est quand même en caisse. Hein, c'est là où on voit le plus. Ah oui, en caisse. Parce que c'est le plus fréquent. Oui, c'est ça. Et puis c'est là où c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas grand monde dans la vie qui se dit, tiens, moi, je vais être caissière en grande surface. Je l'ai fait, croyez-moi. Mais bon, après, il y a pire hein, comme métier. Eh bien, sincèrement, déjà pour avoir un bonjour. Alors, il y a certaines personnes qui vont. Je crois qu'en un an, on a eu 2 bonjours. Oui. Non, il y a eu un ou deux caissières, enfin, parce qu'il y a vraiment de tout, c'est hyper mix, hein, par contre, ici, qui vraiment étaient très agréables. C'est déjà arrivé, mais il faut retomber toujours sur les mêmes, en fait. Et les autres, mais on n'imagine pas. Donc, le bonjour, on ne l'a pas. Et ce n'est pas qu'avec nous, c'est vraiment pas envers les non, étrangers. C'est pas envers les blancs. Parce que, tout le monde, on a beaucoup observé, et ça va aussi envers les Mauriciens. Même entre eux, ils ne se respectent pas. C'est-à-dire donc pas de bonjour, pas de sourire, c'est même vraiment la gueule, mais au-delà de ça, c'est qu'ils ne s'occupent pas de nous. C'est-à-dire qu'ils vont se retourner, et puis ils vont discuter avec son pote derrière qui est aussi en caisse, sans et puis bonjour. Ils vont papoter, machin. Des fois, ils étaient quatre. Donc les caisses sont faites exactement comme en France, hein, dos à dos, vous avez deux caissières, et bien il y en avait deux autres qui arrivaient, et ça papotait, machin. Tiens, et il y en a même qui ferment la caisse devant nous, ils ferment leur caisse. Il se barre, il y en a un autre qui arrive, qui ouvre sa caisse, qui l'amène. Donc nous, on attend une plomb, alors qu'il y a plein de caisses, enfin, je ne comprends pas trop le système. Et puis ça papote et machin, et on ne s'occupe pas nous. Des fois, ils rendent la monnaie, bon, on ne nous regarde pas. Pourquoi nous regarder? Hein, on est des cons qui payent. C'est très compliqué de voir qu'il n'y a aucun respect envers le client. Alors moi, on m'a toujours dit, oui, client est roi, ça, je ne supporte pas ça. Le client n'est pas roi. Par contre, le client se respecte. On est tous égaux. Nous, on arrive, on sourit, on dit bonjour. Enfin, on attend la même chose. Donc, c'est vrai que
C'était vraiment un exemple parmi d'autres, mais c'est quand même le plus flagrant. Hein. Oh, c'était plus flagrant. Parce que c'est vrai qu'ailleurs. Ça a été un vrai. Ça a fait bizarre. On s'est dit la première fois, bon, on est tombé sur un con. Ça arrive partout. Hein. Mais en fait, c'était tout le temps. Ouais. Quoi. C'était tout le temps. Sixième point, ça va être des choses maintenant plus légères quand même, maintenant qu'on s'est bien défoulé. Non. Sixième point, ça va être sur les frais qu'il peut y avoir en banque et tout ce qui va être attrait à la vie chère. Par exemple, ici. Ce sont des secteurs, donc là, on est dans le secteur de l'Afrique, qui ressemblent au niveau bancaire un peu au secteur de l'Amérique centrale. Les banques, clairement, se gavent quand on change d'un secteur, je dirais, continental à un autre. Je donne un exemple très concret. La mère d'une de mes élèves au Honduras devait me payer $140. Elle a payé $45 de frais en plus. Et moi, je n'ai reçu que $115. C'est-à-dire que les banques se sont gavées de $70 entre les deux. Et bien ici, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire un virement de l'Europe, par exemple, jusqu'ici, ça va coûter très, très cher et beaucoup de frais. Et ça, moi, je ne peux pas parce que je marche beaucoup par virement, beaucoup par frais bancaires, virement bancaire ou par paiement en carte. Et donc, ça me coûte trop, trop cher. Disons qu'on ne travaille pas. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est juste, voilà, on travaille quand même en ligne. Exactement. Et donc, on travaillerait sur place, ce serait différent, parce qu'à la rigueur, si on travaille avec des locaux, il n'y a pas de souci. Mais nous, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, c'est important d'avoir des comptes qui soient ouverts à l'international. Et surtout, alors, vous allez avoir les entrepreneurs, moi, je les vois sur les groupes et tout ça, ils se prennent la tête à trouver l'option la moins onéreuse. Je n'ai pas le temps, en fait. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces conneries. Donc, c'est surtout que ce n'est pas une envie, en fait. Non, mais même, enfin, j'ai autre chose à faire, quoi. Donc, ce n'est pas possible. Et deuxième chose, alors, c'est vrai que la vie ici est devenue très, très chère. Pour vous donner un exemple, quand on était au Mexique, on payait notre plein 60€ par semaine. Ici, on est arrivé déjà à 100€ par semaine. Bon, soit, c'est un peu plus cher, pourquoi pas. On termine l'année, c'est-à-dire qu'on vient de faire un an. On arrive à 200€ par semaine pour faire le plein. Donc, les prix ont explosé. Et malheureusement… Bon. 200 euros ouais. En se faisant un minimum plaisir quand même, faut quand même. Mais comme on faisait au Mexique aussi. Pour ceux qui se. C'est une notion, hein. C'est une notion, mais voilà, je veux quand même dire, par exemple, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour les prix, tout ça, 200 euros donc pour une famille de 5 personnes, et on se fait quand même un peu plaisir, on va boire, par exemple, on aime bien se boire notre vin rouge, voilà. Forcément, le vin rouge, il n'est pas. Il est cher ici. Il est assez cher, et encore, on a réussi à trouver. Ouais, du bon, pas trop cher. Ouais. Voilà. Mais donc, on se fait quand même nos petits plaisirs. Donc, bien sûr, 200 euros, on pourrait faire moins, on est bien d'accord. Alors, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pour ceux qui veulent avoir une notion, en fait, des choses. On mange local, mais on se fait aussi plaisir. Donc, 200 euros. Disons qu'avec les mêmes produits, on a multiplié par deux. Voilà. Dernier point. Dernier point. Les problèmes de livraison. Alors. Que les grandes surfaces sont en rupture de stock. Bon, si vous êtes européen et que vous nous suivez, vous êtes habitué, hein, vous êtes allé aussi en grande surface. À Leclerc. Voilà, pour ne pas les citer. Spécialité. Mais ici, en fait, il y a un vrai souci de livraison, étant donné que c'est une île. Et on va dire clairement, les fournisseurs des autres pays se foutent littéralement de la gueule des gens d'ici et livrent quand ils ont envie. On vous donne un exemple très concret hein, sur, par exemple, du lait végétal qu'on prend, parce qu'on est allergique au lait de vache. Donc, on prend du lait végétal dans un café. Et ben ça peut rester un ou deux mois sans être livré. Et même les responsables ne savent pas quand est-ce qu'ils vont être livrés. C'est-à-dire que la personne qui est, entre guillemets, en bas de l'échelle n'est peut-être pas forcément au courant, mais la personne qui passe la commande n'est même pas au courant de quand est-ce qu'ils vont l'avoir. Donc, c'est pour dire à quel point ça aussi, ça peut être contraignant. Surtout si vous voulez faire un business sur place, par exemple, c'est énormément de contraintes parce que si vous ne savez pas quand est-ce que vous allez être livré ni comment, c'est très compliqué de savoir ça. Oui, parce qu'au quotidien, nous, bon, on fait avec. Hein. Alors, ça, c'est chiant. Ouais. Parce qu'il y a des produits, si c'est pour aller se boire son petit latte dans un café qui appuie pendant un mois, On s'adapte. Mais voilà, c'est chiant, il faut quand même dire ce qui est. Mais disons que ça se reproduit un peu partout. Voilà, et puis ça joue aussi dans les courses en grande surface et des fois, ça peut être chiant, quoi, parce que du coup, s'il n'y a plus le produit qu'on prend qui est à un prix raisonnable, tout de suite, ça peut vite monter et la facture, parce qu'il n'y a plus, il faut prendre l'autre, machin. Donc, C'est aussi quelque chose qui peut être embêtant. Si jamais vous voulez investir en local pour faire du business, nous, c'est ce que l'on cherche à faire au fur et à mesure de nos pays. Clairement, on ne pourra pas le faire ici parce que par rapport au point précédent sur les frais bancaires, mais encore plus avec le fait qu'on ne va pas pouvoir faire confiance à un fournisseur pour nous amener
les produits en temps et en heure, bah, c'est pas possible, quoi. On peut pas faire confiance. Et voilà. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour des points. Encore une fois, ça reste notre point de vue. Des choses sur lesquelles on ne passera pas à travers parce qu'elles sont trop importantes pour nous. Hein, comme vous le savez, nous, on suit un tableau avec chaque critère de pays en pays pour voir où est-ce qu'on veut s'installer. Et ces critères-là sont très importants pour nous. Et il est impossible de passer à travers cela. Et là, je crois qu'on a eu une belle compilation quand même parce qu'on avait un petit peu de tout par pays. Là, on a tout eu d'un coup. C'est ça. Alors après, on a passé une année quand même géniale. Ouais. C'est vrai que si on nous écoute, alors ceux qui regardent juste cette vidéo-là ou qui regardez les autres quand même, vous allez voir qu'on s'est bien marré quand même. C'est juste que forcément, j'aime bien comparer un pays à une personne. Il y a les qualités et les défauts. Bon, et en fait, quand on rencontre une personne, eh ben, il faut aimer ses défauts. Donc, il y a des défauts que nous, selon la personnalité, on va aimer, d'autres non. Là, ce sont des défauts que nous, on ne va pas aimer. Comme a dit Julien, voilà, il y a des trucs. Et au-delà de ça, il y a un ressenti général. Et ça, c'est juste un truc qui ne s'explique pas. C'est-à-dire que nous, on connaît, on a parlé avec pas mal de monde ici, bien sûr. Il y a des personnes qui ne se verraient pas vivre ailleurs qu'à l'île Maurice. Et on les respecte. Et on a rencontré quelqu'un qui est né ici, qui n'attend qu'une chose, c'est de se barrer. Partir, voilà. Donc, c'est comme ça. Hein. C'est comme partout. De toute façon, il en faut pour tout le monde. Tout ce qu'on a dit, ça n'a jamais été fait. Alors, c'est vrai que des fois, ouais, on s'emporte parce qu'on revit l'instant, tout ça, mais c'est jamais dit. Enfin, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Ouais, et puis, vous nous connaissez maintenant, à force de nous suivre. Voilà. Donc, nous, les Mauriciens, on les adore. On a connu qu'ils sont vraiment adorables. Là, on a fait notre pot de départ. Il y avait des Mauriciens. Il y avait, qui sont vraiment, mais enfin, on est triste de les quitter. Et malheureusement, on les a rencontrés plus sur la fin de notre séjour. Ouais. Justement. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Juste, voilà, je veux bien remettre les choses au clair. C'était une année super, on a adoré, c'est juste qu'il y a ce ressenti qui fait que c'est pas pour nous, on n'a pas voulu prolonger, on a envie de découvrir d'autres choses et puis bon, bah, vous savez, on a encore envie quand même de découvrir, de bouger, on ne connaît pas du tout l'Asie, donc c'était l'occasion. Peut-être que dans 10 ans, on dira, ah finalement, l'île Maurice, pourquoi pas réessayer. Oui, bon, moi non plus, je ne pense pas, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Yes, il ne nous reste plus qu'à vous saluer, à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner surtout. Et surtout, n'oubliez pas, choose your life. Tout est possible. À bientôt. Ciao.